Sinine. Conspecto hominum quale dilexit. Ego sum veritate. Help, what, Lodwa! Comme Saint Judas, je te remercie, Jésus bien-aimé, de la sagesse permettant de percer le voile de Sophia, de voir. Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique? Ah, l'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies, pas par des Danois ou des Mahométans, mais par de vrais chrétiens. Choisis, chrétien. Écarte-toi ou bats-toi. Si nous devons en venir là, mon seigneur me protégera, et je suis assuré de ma récompense. Seigneur du Trésor de Lumière, pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe, ou par le démiurge autogène supérieur? Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke? Je suis Fulke dans ce monde, et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et tu collectes les artefacts? Les instruments des enfants de Sakla le Fou, oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels? Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Nous te suivons. Venez.
Depuis combien de temps? Plusieurs semaines. Peut-être un mois. Pour tes prétendues hérésies? Des hérésies, oui. J'ai eu la chance de découvrir de nombreux objets profanes au cours de ma vie. Des objets qui attestent des œuvres du Ténur, le faux dieu vénéré par ces imbéciles en robe. J'ai trouvé de telles reliques en Germanie et en Francie, mais également ici, en Angleterre. Dame Edwin les dit blasphématoires, mais elle a l'esprit embrumé. En vérité, ces objets ont une valeur immense. Et peut-on les voir? Si vous désirez connaître la vérité de vos origines, je vous les montrerai dès aujourd'hui. J'aimerais beaucoup, oui. Je te suivrai où tu iras. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines? Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance, ou plus de guerriers? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô Autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir? Plus tôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke? La pierre de Saga nous vient d'une antique race. Ah, me voilà. Comme je le disais, la pierre de Saga nous vient d'une antique race, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ces Saxons? Ces Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise, pour avoir professé cette idée. Oui. Les chrétiens, comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur terre pour nous laver de nos péchés. L'église romaine s'est laissée berner par les mensonges de sa classe, ou Yaldabaoth. Le démiurge multiple nom, un dieu inférieur. Sa classe et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. La saga est bien étrange, Fulke. Et elle est encore bien loin d'être achevée. Soyez sur vos gardes. On nous observe. Attention. Votre présence déplaît aux villageois. Ils sont sûrement les yeux et les oreilles des deux.
C'est là, devant nous. Quelle est donc cette tour? Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé. C'était un prêtre? Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détenons. Hey Paul, tu es là? L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Ceci est l'œuvre d'Edwin. À n'en pas douter. La pierre est à l'intérieur? J'ai demandé à Paul de bien la cacher. Mais j'ignore. Un passage. Ce doit être là. C'est lui, Paul, ton acolyte. Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez? Des soldats. C'est Edwin. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin! Une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes. Et l'image d'un arbre. La connais-tu? Oui. C'est l'un des objets impies de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là? Nous sommes là pour un marché. Cette pierre contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis? Kedrich avait notre parole. Prends-la nous! Et alors nous quitterons à jamais tes terres. Pour la voir, il faudra m'offrir la tête de Kedrich. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu? On accepte! Bien! Non, sûrement Eivor pas! Non! Tuez-les! Aucun n'en réchappe! Eivor, tu as perdu l'esprit! Regardez-moi faire! Tu as choisi! Mais nous avons une autre chance! Je n'oublierai pas. Rentre chez toi. Arrête que je te traite. Frappez avec moi. Oh, c'est cher. Aide-moi, oh Seigneur. Conscience, moi la nôtre. C'est à nos côtés. Avec moi. Non.
carnivore! Espèce d'idiot! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas, Gedrich. Ce n'est pas à toi d'en décider. Quand je fais une promesse, je la tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl, le Jarl Sigurd, ton frère et maître. C'est un point de vue, Basim. Je pense qu'il y aura d'autres occasions. Nous pouvons tenir nos promesses et trouver cette pierre, ensemble. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela a été ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là, t'apitoyer sur ton sort, mon frère. Moi, j'ai une promesse à tenir, et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Basim, viens. Le différend qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré ? Toute ma vie, nous avons agi ensemble, comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait, et lui aussi, jusqu'à ce jour. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés ? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté ? Oui. Gedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où proviennent ses vivres et son équipement ? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee, il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. Retrouvons-nous là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Les défenses d'Edwin sont affaiblies, mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke. Attaquera à vue par ici. Mmh.
va voir, Sénine.
Aide-moi. Deviens mes yeux. Yeah!
Sinin. Viens! Tirer l'attention ici. Yeah!